Bonjour et bienvenue. L'objectif de cette vidéo est de savoir comment montrer l'égalité de deux vecteurs géométriquement. كيف أبرهن على تساوي متجهتين هندسيين؟ Lisons l'exercice. Soit ABC, un triangle, il le milieu du segment BC. يكون ABC مثلث و I منتصف القطعة BC. Tracez J le symétrique du point A par rapport à I. انشئ J مماثلة نقطة A بالنسبة لI. Montrez que le vecteur AC égale au vecteur BJ. بين أن المتجهتين AC و BJ متساويتين. Avant de passer à la correction, je vous invite à chercher l'exercice. Et après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. قبل أن أرسم النقطة J, أذكر أن A' مماثلة A بالنسبة للنقطة O يعني أن O منتصف القطعة A'. Voilà. A' مماثلة A بالنسبة لO يعني أن O هي منتصف القطعة A'. النقطة مركز التماثل تكون هي منتصف القطعة التي طرفاها النقطتين A و A'. في هذا التمرين on a J le symétrique du point A par rapport à qui? Par rapport à I. Donc le centre de symétrie est le point I. Alors I sera le milieu du segment AJ. D'accord? Donc traçons d'abord le triangle. Et donc, بالنسبة لي رسم النقطة J, فقط نمدد القطعة AI. Et donc, on prolonge la droite AI, comme ça. ونأخذ نفس المسافة AI بحيث تكون يعني تقريبا هنا. إذن غيكون عندنا هنا اي هو المنتصف القطعة AG. وطبعا الأمر يعني بسيط جدا بخصوص هذا السؤال. السؤال الثاني وهو الأهم montrer que AC égale à BG. عندنا deux idées هنايا. Première idée هي أننا نبينو par transitivité يعني نبينو بأن المتجهة AC كتساوي متجهة U والمتجهة BC BJ كتساوي أيضا المتجهة U وبالتالي نستنتج أن AC تساوي BJ أنهما يساويان نفس المتجهة. والفكرة الثانية هو أننا نبينو بأن ABJC est un parallélogramme ABJC ABJC un parallélogramme. Un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا باش نبرهنو على متوازي الأضلاع on a deux approches. Soit utiliser la définition, c'est-à-dire les côtés opposés sont deux à deux parallèles, soit on utilise les propriétés d'un parallélogramme. مثلا من بين les propriétés نبرهنو بأن les deux diagonales se coupent d'accord au milieu. Ou bien utiliser la propriété des angles. كل زاويتين متقابلتين متساويتين. أو لا نستعملو خاصية الأضلاع وأن نقول لي كوتي أوبوزي سون دو ميم لونغور. دونك دون سكا دو فيغور. Alors dans ce cas de figure, on utilisera la propriété des diagonales. Comment? Donc on a I le milieu. On a I et le milieu de BC, c'est d'après les données de l'exercice, et J le symétrique de A par rapport à I.
Donc, I est le milieu. I est le milieu du segment et le milieu du segment AG. Donc regardez, on a AG et BC en même milieu. D'où AG et BC en même milieu. En même milieu. Donc, AB, JC est un parallélogramme. Donc, AB, JC est un parallélogramme. Et Adla est un parallélogramme. Donc, finalement, enfin, le vecteur AC égale au vecteur BJ. Notre vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire et un j'aime. Merci.